Bienvenue à cette soirée littéraire, donc en collaboration avec nos trois universités partenaires, donc que vous connaissez bien sûr. Est-il besoin de les présenter? Donc l'université Rennes 2 en France, bien sûr, l'université Adam Mickiewicz de Poznań, et puis l'université de Banská Bystrica, l'université Matěj Bell de Banská Bystrica. Voilà. Alors, le thème de ce soir est consacré au thème de notre projet, c'est-à-dire la littérature de migration à travers trois femmes, hein, comme nous allons vous le préciser dans un instant. Il ne s'agit pas seulement, comme annoncé, de Shador Jawan, mais également, nous parlerons également de Laura Alcoba et de plus connue Nancy Huston. Voilà. Alors nous présenterons également le projet Déclamefleu. Alors nous aurons le plaisir d'entendre Mesdames Bertu Courtivion et Madame Bourvon, qui nous parleront donc de ces trois écrivaines. Et puis ensuite, pour nous présenter très rapidement le projet Déclamefleu, Johanna Goretzka, donc de l'université Adam Mickiewicz de Poznań, et puis Monika Zazriutsova de notre université Matěj Bell de Banská Bystrica. Voilà, alors après la présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions, ou bien tout au long de la soirée par clavardage, par chat. Voilà. Alors, nous pouvons commencer. Nous pouvons peut-être dire quelques mots sur le projet et puis ensuite nous enchaînons avec la littérature. Donc je commence du coup. Oui. Donc bonsoir à tout le monde. Alors quelques mots, oui, sur le projet, donc avec à l'écran les trois universités partenaires de Déclamefleu. Et puis ici à la fois l'objectif prioritaire qui est donc la mise à disposition d'un espace collaboratif numérique et de ressources d'enseignement. Je suis allée trop vite. Avec ce corpus particulier qui concerne des œuvres littéraires contemporaines évoquant migration et bien sûr dialogue interculturel. Le public cible de cette plateforme collaborative est à la fois les enseignants, les formateurs de FLE et bien sûr les futurs enseignants, à savoir les étudiants. Et l'un des livrables de ce projet est un MOOC intitulé Enseigner la littérature en FLE, qui a comme corpus d'analyse des textes contemporains écrits en français par des auteurs et surtout des autrices dont le français n'est pas la langue première. Et donc je vais commencer en... Peut-être que Monica et Johanna veulent... Pardon, pardon, pardon. Je n'ai pas bien compris à quel moment... Excusez-moi. Merci, je ne vais pas parler vraiment longtemps. Je vais juste ajouter que ce projet Déclamefleu nous a permis à notre équipe slovaque de découvrir vraiment ce véritable et formidable essor qu'est la littérature. Disons même mondiale, c'est-à-dire des auteurs de tout le monde, écrites en langue française, qui parlent, qui traitent de la problématique de l'exil et de la migration. Et il y avait aussi un grand défi pour notre équipe. On a essayé de chercher une auteure d'origine slovaque, d'expression française, qui pourrait être ajoutée à ce corpus. Et un événement littéraire, le livre Paris 2019 nous a permis quand même de découvrir une autrice qui convenait bien à ce projet, Andrea Salajova, et son livre Eastern, à partir duquel on essaie maintenant de proposer les ateliers dans le cadre de la semaine intensive de formation
qui est en cours actuellement à notre université, et on propose les ateliers et les conférences à tous les participants de l'Université de Rennes 2 et aussi de l'Université de Poznań d'Anna Mickiewicz. Donc, merci beaucoup d'avoir participé déjà au premier atelier hier, à cet atelier de ce soir, et je passe la parole à Johanna pour ajouter aussi quelques mots. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Moi aussi, je vais rapidement présenter peut-être notre équipe polonaise. Elle se compose surtout de didacticiens, mais on a aussi un spécialiste en littérature parmi nous et puis un théoricien de la traduction. Et on réfléchit ensemble justement sur sur l'élaboration des outils qui vont permettre aux futurs enseignants de FLE d'utiliser, d'exploiter les œuvres littéraires dans leur enseignement. Et on a fait déjà une formation au mois de novembre de l'année dernière où on a justement présenté la première étape, je dirais, de notre réflexion justement didactique autour de la littérature, donc comment on se pose des questions, comment on introduit la littérature dans les cours pour donner aux élèves le goût de la lecture, comment on peut guider la lecture pour privilégier un regard plus approfondi, réflexif, comment faire lire déjà aux élèves, dans quelles conditions et comment encadrer ce travail didactique où on inviterait les élèves à lire des livres en entier et de faire cette lecture intégrale et comment on peut les accompagner dans cette lecture. Donc, ce sont des questions sur la didactique de la littérature qu'on se pose, mais aussi sur les compétences discursives et interculturelles des enseignants, des futurs enseignants. Et quels sont les outils et comment on peut les aider à développer des outils pour qu'ils puissent parler de la littérature et de l'actualité littéraire avec leurs élèves. Donc, ce sont ces questions qu'on s'est posées et qu'on se pose et auxquelles on essaie de répondre dans le cadre de nos recherches. Et effectivement, grâce à ces projets, comme Monica vient de le dire, on découvre pas mal d'auteurs francophones, mais aussi donc la Slovaquie nous a permis de découvrir une auteure slovaque qui écrit en français, et c'est Andrea Salajova. Nous aussi, on a découvert une autre auteure, Paulina Delmayer, qui aussi écrit en français, le livre tout récent en fait qui vient de sortir au mois de décembre, les héroïques. Donc peut-être que aussi on pourrait l'exploiter dans le cadre de notre projet, mais voilà. Donc c'est juste anecdotique un tout petit peu, mais c'est effectivement intéressant que dans le cadre du projet on découvre des auteurs qui viennent de nos pays de l'Est et qui ont choisi le français pour s'exprimer, pour écrire des livres. Donc voilà, ce serait tout pour ma part. Merci. Bon, je reprends donc. Merci beaucoup. Merci pour ces présentations. Merci Monica, merci Johanna. Et merci pour votre accueil à toutes et tous. Alors, vous voyez que en haut de cette diapo est écrit « Portrait » entre parenthèses « S » de femmes entre parenthèses « S ». Pourquoi ? C'est parce que depuis le début de ce projet pour cette soirée, nous avons élargi notre corpus. Il était au départ question de parler uniquement de Chador Djavan, et puis nous avons considéré que, étant donné l'âge de la narratrice, de « Comment peut-on être français ?» de Djavan, 25 ans, il était intéressant de mettre en parallèle avec ce récit deux autres récits, celui d'une adolescente argentine et ce grâce au texte de Laura Alcoba, et puis le récit d'une anglo-canadienne, Nancy Houston, de 45 ans. À elles trois, elles couvrent l'ensemble des motifs d'exil, puisqu'il s'agit de motifs politiques et forcés pour les deux premières, mais d'un choix volontaire et culturel pour ce qui est de Nancy Houston.
Les deux premières sont apprenantes en français, dont l'une iranienne débutante complète, et elles font toutes les deux le récit rétrospectif de leur expérience, parfois difficile, en FLE. Elles donnent à leur narratrice un âge qui correspond à leur âge d'apprentissage dans la réalité. La narratrice de Houston est plus âgée. Elle s'est mariée en France, elle a des enfants qui sont de nationalité française. Elle ne fait pas le récit de son apprentissage, mais plutôt le bilan. Les trois témoignent d'une expérience linguistique où il arrive que soit sapée leur confiance en soi. C'est le récit de leur ténacité exemplaire qui rend leur livre si intéressant. Et la réussite finale par la littérature adoucit la rigueur de leur premier trébuchement. Les trois autrices, quant à elles, ont brillamment réussi en France, ont déposé une thèse, ont écrit de nombreux livres en français, au moins 5 pour Alcoba, 14 pour Javan et plus de 40 pour Houston, dont pour toutes des essais, des traductions, des romans. Cette écriture, donc sur plusieurs décennies, récompensée par différents prix littéraires, montre la résilience qu'offre la littérature au destin marqué par l'exil. Nous évoquerons donc tour à tour les textes donc de Laura Alcoba, pour commencer, puis de Chador Javan, et enfin de Nancy Houston. Le bleu des abeilles, comment peut-on être français, et Nord perdu. Et donc, pour commencer, et donc nous alternerons, nous passerons la parole, Marie-Françoise et moi. Pour commencer donc, Laura Alcoba, et donc nous suivrons le même plan. Tout d'abord, quelques mots concernant la biographie. Le récit de l'apprentissage du français fait dans le roman, l'essai de chacune d'entre elles. Et puis le rôle actif de la littérature dans l'apprentissage de la langue. Et enfin, la créativité littéraire. Alors, Alcoba est née en 1968. Et elle a dû s'exiler avec sa famille pour des raisons politiques. Elle arrive en France donc alors qu'elle a 10 ans. Après avoir intégré en 1989 l'école normale supérieure, elle passe l'agrégation d'espagnol et puis soutient un doctorat en littérature. À partir de 2007, elle se consacre essentiellement à l'écriture et publie aux éditions Gallimard son premier roman, Manège, où elle évoque un épisode de son enfance argentine sous la dictature militaire. Autrice de langue française et traductrice, Alcoba est aussi maîtresse de conférences à Paris-Nanterre, où elle enseigne la littérature espagnole. Et elle anime un atelier de traduction. Fin 2013, elle rejoint les éditions du Seuil comme éditrice chargée du domaine hispanique. La même année, elle publie « Le bleu des abeilles », soit 35 ans après son arrivée en France. Le roman évoque notamment la correspondance qu'elle entretenait à l'époque avec son père, alors prisonnier politique en Argentine, et sa découverte de la France. Je précise immédiatement que, malgré cela, Alcoba ne refuse de dire qu'il s'agit d'une autobiographie. Donc, malgré des éléments à l'évidence tirés de sa vie personnelle. En 2017, La danse de l'araignée, également liée au temps de l'adolescence en France et à la correspondance avec son père, poursuit donc le récit engagé dans Le bleu des abeilles. Alors, tout d'abord, le récit d'apprentissage. Le bleu des abeilles relate donc l'apprentissage d'une narratrice de 13 ans, arrivée en France, d'Argentine, après une initiation au français en cours particulier. Les difficultés décrites par la narratrice concernent la phonétique et ces difficultés sont représentatives des difficultés éprouvées par les hispanophones, les nasales, le U, le R. À propos du R, la narratrice pointe la différence entre le lieu d'articulation du R roulé espagnol et le R français. Elle évoque un R très humide que l'on va chercher au fond du palais. Sa description est scientifiquement exacte,
mais on remarque l'ajout d'un commentaire subjectif lié à la sensation de, sur l'humidité de cette consonne. Cette attention portée à la sensation se retrouve dans la description faite des consonnes « je » et « ze » entre deux voyelles et qui font comme des chatouilles au niveau du palais. Et l'on retrouve, en plus de la mention du palais comme lieu de passage de l'air, l'importance donnée aux sensations physiques. Mais la difficulté principale de la narratrice concerne les voyelles. Cette importance est d'abord visible dans le très grand nombre d'occurrences concernant ces difficultés et par le fait qu'elle est mise en exergue par sa présence dès le titre du chapitre 1, intitulé « Sous mon nez », et la première phrase, déjà citée, « Le point de départ de mon voyage se trouve quelque part sous mon nez ». La narratrice, on le sait, a effectué ou va effectuer un voyage entre l'Argentine et la France, mais c'est l'apprentissage lui-même du français qui est un voyage. Et ce point de départ, sous le nez, ce sont, nous l'apprenons dès la deuxième page, ces voyelles qu'on laisse résonner sous le nez. La description, là non plus, n'a rien de scientifiquement phonétique et rejoint le jugement selon lequel le français est une langue drôle de langue, puisqu'elle lâche les sons et les retient en même temps. Cette appréciation est mise en relation de façon très concrète, très physique, avec un détail du visage de Noémie, sa professeure de français en Argentine, qui a un grain de beauté presque à la commissure des lèvres, légèrement au-dessus de la bouche. Et le texte dit le regard de la narratrice fixé sur les mouvements de la petite tache brune postée juste au-dessus des lèvres. Car la narratrice a compris que la différence des sons est liée à des différences d'articulation et qu'avant de répéter des sons et des mots, il s'agit pour elle d'observer la forme et les mouvements de la bouche. Et c'est alors qu'arrive l'explication du titre et de la première phrase. C'est comme ça, à la place à Noémie, un de beauté, mise en quelque part sous mon nez. Et le grain de beauté de l'enseignante se retrouve associé au français. On le voit, la description de l'apprentissage de la phonétique passe par une mise en relation très concrète, très physique, avec un détail du visage de son enseignante. Le sonore est remplacé par le visuel, exactement comme le font les schémas articulatoires des manuels de phonétique. Mais l'expérience de la narratrice va plus loin. Il s'agit pour elle, après avoir observé son modèle, de ressentir physiquement le cheminement, l'itinéraire de l'air dans son appareil phonatoire et de découvrir les lieux physiques, endroits nouveaux, recoins, où s'articulent les nasales. Pour que la langue française, cette nouvelle langue, devienne sienne, il faut littéralement qu'elle lui soit incorporée. Alcoba ne dit pas autre chose lorsqu'elle affirme dans une interview de 2013 donnée à France Culture que faire sienne une langue, c'est la faire entrer dans son corps. Pour y parvenir, la narratrice s'entraîne longuement dès qu'elle est seule devant le miroir de sa salle de bain. Et elle suit l'astuce donnée par son enseignante qui consiste pour le son U à placer les lèvres comme si l'on voulait dire OU puis dire I. Sa détermination est sans faille et lisible dans le « j'y arriverai » de la page 40. C'est que son accent lui fait honte, terriblement honte. « Je n'aime pas mon accent. Quand je comprends qu'on l'a remarqué, chaque fois je me sens comme dans ce rêve que je fais souvent. Rêve dans lequel la narratrice se trouve dans un bus ayant oublié de s'habiller, presque nue, sous le regard des passagers. » Son accent la met à nu, elle est repérée, percée à jour, et contrairement à la honte éprouvée dans son rêve et qui cesse, une fois le cauchemar terminé, la honte liée à son accent continue et la met en colère. La honte est présente, que son interlocutrice soit une camarade de classe, j'ai eu peur
qu'elle ait entendu quelque chose qui ressemble à la vionne. Alors j'ai repris ma phrase, rouge de honte. La honte est la même devant la bibliothécaire, et c'est à tort, à son seul accent, et non à son statut de non-native, que la narratrice attribue la réticence de cette bibliothécaire à la laisser emprunter le bleu des abeilles. À cause de mon accent, je passe pour une abrutie. Cet accent, j'aimerais le faire disparaître, l'arracher de moi. Et l'on voit à quel point l'apprentissage de la phonétique concerne et engage le corps. En ce qui concerne la réception, la compréhension, la narratrice souhaite aussi écouter attentivement tous les mots possibles pour pouvoir les garder en elle. Et surtout le vrai français, bien sûr, celui de sa camarade Astrid, dont la famille est vraiment française et le nom vraiment français, Bergogneau. Elle souhaite se concentrer, donc voir à la source du français d'Astrid, le français de source. En cela, elle suit les conseils, le souhait de sa mère qui a refusé pour elle la classe d'accueil parce qu'elle souhaitait l'immersion, le bain linguistique. Si l'apprentissage de certains phonèmes demande à la narratrice un entraînement assidu, elle instaure avec le E muet une relation très particulière qui demande que l'on s'y arrête. Les sentiments ressentis et successivement évoqués sont la fascination, l'amour, la surprise, l'exaltation, l'admiration. Et on peut juger excessif ces sentiments inattendus, puisque l'explication de cet engouement tient au fait que cette voyelle est là et se tait. Et même si ces lettres muettes sont présentées comme insaisissables, même si elles se tapissent dans l'ombre et se tiennent en embuscade, elles ne constituent pas un danger. Ces voyelles inaudibles, la narratrice a souvent l'impression de les voir, et mieux encore, les voyelles muettes la voient aussi. C'est alors, avec une personnification étonnamment systématique, qu'est décrite la communication silencieuse que la narratrice entretient avec ses voyelles. C'est d'ailleurs cette connivence qui lui donne la force de résister à la bibliothécaire, car face à la bibliothécaire seule, la narratrice, elle, n'est pas seule. Elle forme un nous avec ses E muets que la bibliothécaire, elle, ne voit pas. Voilà qui est très surprenant. Et seule l'explication de l'auteur donne la clé de cette fascination pour un phénomène de la langue française qui désarçonne habituellement les apprenants. C'est dans la même interview dont j'ai parlé tout à l'heure que Alcoba, qui évoque l'engagement politique de ses parents, la clandestinité, donne l'explication. Elle explique au passage que bien que ses papiers d'identité indiquent qu'elle est née en Argentine, en réalité, elle est née à Cuba. Donc, on comprend bien l'atmosphère de clandestinité. Et donc, Alcoba explique que pour toutes ces raisons, l'espagnol est la langue dans laquelle elle a dû apprendre à se taire, la langue du contrôle carcéral, entre autres, alors que le français est la langue dans laquelle elle a appris à vivre. Et son goût paradoxal, à plus d'un titre, pour une voyelle que l'on n'entend pas, vient du fait qu'ayant dû apprendre à se taire, elle est émerveillée par une langue, le français, qui sait intégrer le silence, alors que l'espagnol ne sait pas cacher les lettres. Pour terminer, j'évoquerai le goût de la narratrice pour les accents du français, pour la cédille du C, signe qui n'existe pas en espagnol. Elle dit à quel point elle a aimé ces signes nouveaux pour elle, à quel point elle s'est entraînée pour les tracer sur le papier. Et l'on retrouve l'entraînement, le plaisir et aussi le creusement du sillon qui rejoint la métaphore du voyage pour dire l'apprentissage. Cet apprentissage qui l'amène
à se sentir en connivence avec l'orthographe française et qui l'amène à adorer cela. Et c'est sur ce verbe que je termine la présentation de l'apprentissage du français décrit dans Le Bleu des Abeilles. Et je donne la parole à Marie-Françoise. J'enchaîne donc. Vous m'entendez bien ? C'est bon ? Alors, avec le rôle actif de la littérature dans l'apprentissage de la langue, toujours chez Alcoba, c'est notre première autrice. On a vu la semaine dernière que la narratrice de 13 ans partage ses lectures avec son père qui est détenu en Argentine et qui n'a trouvé à lire dans sa prison qu'une traduction en espagnol d'un livre français de Maurice Maeterlinck, La vie des abeilles. Maeterlinck, je rappelle, écrivain symboliste belge de la fin du XIXe siècle et célèbre pour son mélodrame Péléas et Mélisande. Il conçoit aussi un cycle inspiré par la biologie au début duquel se trouve la vie des abeilles. Néanmoins, et je l'ai vérifié, il s'agit bien d'une œuvre littéraire. Outre la richesse de la langue, l'auteur lui-même précise que ce n'est pas une énième monographie scientifique qu'il écrit. À l'origine donc, il y a déjà un livre poétique d'un auteur français qui les unit. Si le père le lit et le commente en espagnol, la fille à Paris le lit tant bien que mal en français. Cependant, ce livre n'a pas pu participer au progrès linguistique de l'adolescente, forcée par le règlement de la prison à échanger en espagnol avec son père. Pourtant, ce livre va quand même contribuer à son apprentissage par un détour original. En effet, le père a une prédilection pour les insectes. Avant de s'intéresser à l'histoire d'une araignée qu'il a entendue raconter en prison, et ce sera le sujet du livre suivant d'Alcoba, La danse de l'araignée, le père s'interroge sur les abeilles. Diapo, d'après toi, pourquoi elle préfère le bleu ? Et comment a-t-on pu s'en rendre compte ? Et si c'est vrai pour les abeilles d'ici, est-ce que c'est forcément la même chose pour les abeilles de là-bas ? C'est un peu le secret du vivant que recherche le père. Enfermé, il délègue à sa fille la quête de la vérité sur ces insectes exemplaires pour leur utilité sociale. La fille se prend au jeu et se sent investie de cette mission confiée par le père. La littérature va lui apporter la résolution de toutes ces questions en suspens dans sa vie. Les abeilles, certes, mais surtout pour elle, le renforcement des liens de filiation et l'apprentissage du français grâce à la littérature. Voyons comment. C'est un deuxième livre français, dérivé du premier, qui apporte la révélation. La fille tombe à la bibliothèque de son quartier sur ce titre qui l'inspire, « Les fleurs bleues de Queneau ». Elle s'imagine que le livre recèle peut-être ce fameux secret des abeilles et par-delà de tout le vivant qu'elle cherche à transmettre à son père. Mais l'autorité académique lui refuse l'accès au livre. C'est évidemment pour le bien de l'apprenante que la bibliothécaire essaie de lui faire comprendre que ce livre sera trop difficile pour elle. Cette mise en garde est perçue par la jeune Argentine comme une dictature insoutenable. La liberté de choix s'énonce pour l'apprenante comme un acte de résistance. Malgré la sagesse des conseils prodigués, c'est un livre très difficile, tu sais, il y a plein de jeux de mots là-dedans, va nous montrer la diapositive. L'apprenante la grippe encore plus fort. La deuxième phase, la lecture du livre conquis, reflète les difficultés d'apprentissage. Comme prévu, l'apprenante comprend à peine l'intrigue et rendra son livre avec un mois de retard. C'est alors que se produit un rebondissement inattendu. La jeune fille s'endort une nuit, la tête encore posée sur les fleurs bleues dont elle avait justement fini la lecture la veille au soir. Si le livre sert littéralement d'oreiller à l'apprenante, elle va se réveiller transformée aussi magiquement que dans un conte. À son réveil,
Elle prononce en effet sa première phrase libre, non traduite exceptionnellement, de l'espagnol au français. « Tu m'as laissé les clés ?» demande-t-elle à sa mère. Toutes les deux sont stupéfaites. Outre cette réussite linguistique, l'auteur revient à la fin du livre sur l'utilité de cette lecture littéraire. Même si finalement il n'est pas du tout question d'abeilles dans ce livre, ni même de fleurs bleues, sauf une fois de façon décalée et comique à la fin, la narratrice se montre enchantée de sa lecture et satisfaite dans sa quête. Ainsi, elle clôt sa méditation en recopiant la citation finale de Queneau sur les fleurs bleues, qui devient elle-même la dernière phrase du livre d'Alcoba. La narratrice se replace donc au croisement de deux filiations, avec le père récepteur et avec l'écrivain inspirateur. Coup double, puisque cet héritage littéraire la libère de son enfermement linguistique, comme il libère le père de son isolement politique. Notons que la première phrase prononcée en français par l'apprenante à sa mère concernait les clés à ne pas oublier. Il s'agit bien de déverrouiller l'accès à la connaissance, et le paradoxe de ce succès inattendu montre que la littérature complète l'apprentissage linguistique, donnant aux apprenants, lourds de leur expérience d'exil, la force de l'engagement personnel qui est la véritable clé du succès. Mais Marie-Françoise va vous parler de la créativité littéraire d'Alcoba. Voilà, donc quelques mots sur la créativité littéraire dans ce roman d'Alcoba. C'est sans doute la brièveté qui caractérise le mieux Le bleu des abeilles. Le roman est découpé en 18 courts chapitres qui pourraient presque être lus indépendamment les uns des autres, et dont les titres très simples et de formats très différents attisent la curiosité. Par exemple, le premier dont j'ai déjà parlé, « Sous mon nez », ou encore « Les robes du Tyrol » ou « Mes tuyaux ». Après le suspense installé dans les premières lignes de chacun des chapitres, le récit à la première personne progresse à coups de touches légères, alternant humour, remarques sensibles et sensitives. C'est comme si les qualités que la narratrice attribue à la prononciation du français étaient appliquées à l'écriture de cette langue qui lâche les sons et les retient en même temps. Il s'agit de ne dire que l'essentiel, d'être là, mais en sachant se taire. Exactement comme le muet vient chez Alcoba, eux silencieux, et en l'absence duquel les fleurs bleues ne seraient pas vraiment bleues. Et nous allons passer maintenant à Chadorjavan, et donc son roman « Comment peut-on être français » paru en 2006. Et selon le même plan, biographie, récit d'apprentissage, rôle actif de la littérature et créativité. Quelques mots sur sa biographie. Chadorjavan naît en 1967 en Iran et elle grandit à Téhéran, issue d'une ancienne lignée aristocratique d'Azerbaïdjan, petite fille et fille de Pacha. Le père a élevé sa fille dans l'amour des livres et la détestation des mollahs. L'arrivée de Khomeini en 1979 ravage ce qu'il reste des dernières illusions de cette famille. Son père est jeté en prison, sa famille est ruinée. Après la révolution islamiste, elle est forcée d'arrêter de lire les grands auteurs français pour étudier le Coran et est voilée de force. Étudiante, elle fuit en Turquie. Elle arrive en France en 1993 sans parler français. Pauvre, solitaire, elle gagne sa vie comme serveuse, fait une tentative de suicide, puis commence des études universitaires en psychologie et anthropologie. En 1995, elle écrit ses premiers poèmes en français. Cette langue est la septième qu'elle pratique. En 1998, elle débute une thèse qu'elle abandonne pour écrire son premier roman, « Je viens d'ailleurs ». Un an plus tard, elle s'insurge contre le port du voile dans un pamphlet « Bas les voiles » qui la rend célèbre. Elle y enchaîne brillamment arguments et démontrant l'hypocrisie derrière l'injonction faite aux femmes et surtout aux petites filles
de voiler la moindre parcelle de peau, montrant ainsi la véritable névrose masculine à l'œuvre derrière cette culpabilisation constante des femmes. Dans « Que pense Allah de l'Europe ?», elle invite l'immense majorité des musulmans silencieux de France à manifester contre l'idéologie islamiste. En 2006, donc, « Comment peut-on être français ?» Et puis, « Je ne suis pas celle que je suis », dont il sera question aussi, paru en 2011. « Comment peut-on être français ?» est donc tout d'abord un récit d'apprentissage. Ce n'est pas la prononciation qui pose le plus de problèmes à Roxane, l'héroïne. Ce n'est du moins pas à l'apprentissage phonétique que Roxane donne le plus d'importance. Même si, passée l'euphorie et le bonheur ingénu de son arrivée en France, elle découvre, en raison de sa décision d'apprendre le français toute seule, un nouveau monde sans mots. En effet, Roxane est confrontée aux phénomènes de continuité tels que les liaisons, qui font de la langue une chaîne parlée dans laquelle les mots graphiques ne sont pas perceptibles à l'oral. Comme Roxane, en plus, n'a personne à qui parler français, et qu'elle décide d'apprendre le français en lisant, je cite, les grandes œuvres, c'est à la compréhension de l'écrit qu'elle s'emploie, en s'intéressant principalement au lexique et à la conjugaison. Épreuves, défis, cauchemars sont, on le voit, les mots qui, d'entrée de jeu, caractérisent son apprentissage. Son objectif étant de mémoriser vocabulaire et conjugaison, elle lit, cherche des mots dans le dictionnaire, copie, relit, répète les mots et les verbes pour se rendre compte que chaque matin, tout était oublié. Se demandant si sa mémoire lui joue des tours, elle se met en colère. Mais le passé ne s'efface pas et sous l'effet de la solitude, Roxane prend l'habitude, sans s'en rendre compte, de se dédoubler en trois Roxane, la personophone, l'apprentie francophone et la Roxane arbitre, celle-ci tout droit sortie du régime des Mollahs. Celle-ci donc punissait la moindre faute, frappait à coups de matraque la mémoire défaillante de Roxane. Les erreurs linguistiques, ces erreurs linguistiques sont des fautes impardonnables, comme le sont les péchés capitaux. Le passé trop lourd anéantit toute possibilité d'apprentissage et la mise au point d'une méthode empirique n'y change rien. Cette méthode, qui consiste à tenter de baptiser un objet de son nom français en le fixant avec une concentration religieuse, échoue. Puisque l'objet continue de porter son nom persan. Une nuit, Roxane, comme Alcoba, fait un cauchemar. La chaise, la petite table, se précipite sur elle. Elle allait être écrasée lorsqu'elle sursauta et se réveilla en sueur. Et on retrouve ici le cauchemar du début du chapitre. Roxane, alors, renonce à mémoriser le vocabulaire en essayant de baptiser les objets. Par ailleurs, contrairement à la narratrice du Bleu des abeilles, qui ne change pas d'alphabet et à qui plaît l'entraînement à l'écriture des cédilles, Roxane ne s'habitue pas à l'alphabet romain. Son écriture maladroite, j'ai dû aller trop vite, Son écriture maladroite et artificielle ne ressemblait à rien. On aurait dit une analphabète qui s'applique à écrire. Mais la pratique, plus tard, hein, puisque sa première façon de comprendre les textes était de chercher tous les mots inconnus dans son dictionnaire persan-français, plus tard, elle renonce à son dictionnaire français-persan pour un dictionnaire unilingue. Mais la recherche du vocabulaire l'entraîne dans des méandres dont elle n'arrive pas à se sortir, puisque arrivée après quelques dizaines de minutes à un dernier mot, elle oubliait quel était le premier mot recherché. Cet enchaînement absurde montre la quête sans cesse différée et insatisfaite, dont l'objet se perd progressivement. Une autre difficulté conduit Roxane à une autre erreur de méthode.
Cette difficulté concerne tout d'abord le genre. Que les mots et les objets eussent un sexe, elle ne l'aurait jamais cru. Elle décide donc que les articles, elle les apprendrait plus tard. L'important, pense-t-elle, ce sont les mots. Cette négligence, cependant, a un effet désastreux et produit une confusion qui poursuit toutes les héroïnes de Djavan pendant leur vie en France. Mais comme on va le voir maintenant, ces difficultés ne demandent qu'à être surmontées par la littérature. Et je redonne la parole à Marie-Françoise. Voilà, je reprends, comme j'avais fait chez Alcoba, le rôle actif de la littérature dans l'expérience de la migrante. Et tout d'abord, l'importance de cette littérature dans la construction de la personnalité, qui est une mise en condition favorable avant l'apprentissage. Alors, l'imprégnation littéraire de Roxane est ancienne et la littérature a joué dans son enfance une fonction structurante par rapport à sa configuration familiale un peu particulière, puisque l'héroïne enfant ne savait pas qui était sa mère, elle croyait que sa sœur aînée était sa mère, ni combien son père aux multiples épouses avait d'enfants. D'où la difficulté de la fillette, prise dans cette confusion originelle, à émerger à sa propre identité. La lecture, qui plus est clandestine, lui ouvre un territoire autonome. L'enfant va dans un lieu interdit, la chambre du père, pour lire un de ses livres, en l'occurrence la poésie de Saadi. Elle s'assoit à la place du père et dans cet espace très intime, elle connaît la consécration et reçoit une légitimité par la lecture. Elle acquiert l'autorité morale du père, elle devient le père. Surprise par lui, elle se fait pardonner l'acte transgressif en accomplissant devant lui cette activité qui, quelque part, justifie sa place ici. Elle l'épate par sa capacité à lire, là que 4 ans. Enfin, par la lecture, elle décroche la reconnaissance du père qui, pour la première fois, confirme la filiation dont elle n'avait eu que l'intuition. La littérature est donc vécue dès l'enfance comme un espace de salut. C'est facile quand elle arrive en France. Ben là, la connaissance livresque de son pays d'accueil. En effet, elle reconnaît Paris grâce au livre, une reconnaissance intellectuelle qui devient de plus en plus émotionnelle au cours du chapitre. Quelle merveille, s'exclame-t-elle en retrouvant dans la réalité le calque de ses livres français lus autrefois en Iran. Le credo littéraire est marqué de façon un peu conventionnelle par l'énumération. Aux exclamations admiratives succède la série d'auteurs lus. Hugo n'était pas loin, ni Molière, Voltaire, Balzac, Zola ou Sartre. Avant Montesquieu, Hugo, dont elle était secrètement amoureuse depuis ses 12 ans, était donc la première figure littéraire masculine à être réceptacle de fantasmes simples, disons adaptés à l'âge d'adolescence. Le récit continue à épouser ses rêveries de jeunesse à travers une série de clichés culturels, Paris exotique, Paris fabuleusement romantique. L'enthousiasme même de la narratrice gêne la lecture française puisqu'il relève de stéréotypes et que ce qui est l'objet d'une transcription émerveillée pour une culture est banal à l'autre. Mais cette première phase a une double fonction. Elle montre la culture littéraire préalable de la narratrice qui constitue, avant son arrivée, son seul capital et qui est une indication plus large de l'aura dont bénéficie à l'étranger la littérature française, puisque Roxane a lu tous ses livres dans son pays. Mais ce début fournit aussi un postulat précieux sur l'écriture littéraire en général, à savoir que la fiction est bien apte à recréer le réel. Dans l'immédiat, à son arrivée, les écrivains aimés sont tous là, aussi présents que Paris, dit-elle. Leur présence, supposée réelle, a pour effet immédiat et rassurant émotionnellement de conjurer la solitude. Roxane entre dans une grande famille parisienne
dont elle connaît les codes. Ce constat est de bon augure sur le rôle de la littérature qui non seulement a préparé Roxane à la dure expérience de l'exil en gommant l'étrangeté du futur pays d'accueil, mais ouvre implicitement un champ de prospection fiable à la future écrivaine. Les livres ne racontent donc pas que des histoires. Et cette découverte est de loin la plus exaltante pour celle qui va entamer le récit de sa propre histoire. À l'inverse, c'est bientôt la réalité française présente aux yeux de Roxane qui devient irréelle par rapport à ses habitudes culturelles. La réalité parisienne qu'elle voit, banale pour les Français, un rendez-vous amoureux à la terrasse d'un café, participe pour elle d'une aventure qui se traduit aussitôt en termes littéraires. Alors qu'elle assiste au baiser donné à une jeune femme qui lisait un livre en prenant des notes, on voit une sorte de lectrice modèle absorbée dans sa lecture, l'irréalité de cette scène par rapport aux lois iraniennes qui auraient puni de coups de fouet la simple présence d'une femme à une terrasse de café, eh bien, cette scène paraît irréelle et pour elle relève du pur roman, je cite, ce qui achève la confusion des repères entre réalité et fiction. Mais comment apprend-elle le français langue étrangère? Par la littérature. En fait, la jeune migrante a une vocation littéraire qui sera explicitée plus tard. Dans son roman suivant « Je ne suis pas celle que je suis », titre évocateur, la narratrice se souviendra de la nuit où, en 1993, à peine arrivée à Paris, sur le Pont Neuf, enthousiaste, elle s'écrit en persan « Je serai écrivain en français ». L'incarnation dans Paris de multiples œuvres majeures par des écrivains natifs reconnus semble provoquer directement la vocation littéraire personnelle de la jeune migrante inconnue. Comme les livres lui ont permis, à son arrivée à Paris, une reconnaissance, Roxane garde le réflexe de cette médiation pour naître, pour une deuxième naissance, à la langue française. Pour son apprentissage, elle rêve bientôt d'une relecture, cette fois en français, des livres autrefois lus en persan. L'urgence est révélatrice. Roxane fait un lien clair entre ses lectures et son apprentissage. Elle pressent le rôle précis de l'écriture narrative dans l'apprentissage de la langue. Raconter, cela l'aiderait sûrement à nouer un lien avec la langue. On voit les effets de langue très maîtrisée et soutenue du texte. Mais par-delà les lectures, on va voir que c'est une véritable question de survie. Alors que l'héroïne avait connu une difficulté à exister dès le départ, elle est née grande prématurée, à 7 mois, fort fragile, personne ne pensait qu'elle survivrait, la littérature va conforter sa renaissance. Par son héritage littéraire, la Roxane de Montesquieu, morte en 1720, rappelez-vous, elle s'est suicidée, elle aussi, elle est ressuscitée, et j'appuie sur ce mot, en 2000 à Paris. La littérature s'écrit donc comme gage de survie. Que ce gage soit fictif n'a aucune importance, puisqu'on a vu qu'au début du roman, Roxane a reçu la preuve que la réalité équivalait à la fiction. Elle s'identifie donc à son personnage littéraire rebelle, créé par Montesquieu dans ses lettres persanes. La littérature ne fournit pas seulement une aisance, je me sens plus à l'aise dans la peau des personnages, mais une véritable éthique de vie. Elle veut être à la hauteur de sa Roxane imaginaire. La littérature produit donc un modèle valorisant qui agrandit la vie. Roxane va inventer une correspondance suivie avec le créateur de son modèle littéraire, Montesquieu. Elle imagine actif dans sa lecture cet autre partenaire du duo. Et elle projette sur lui son besoin. « Je vous remercie, dit-elle, de l'attention que vous me portez. » Montesquieu est transformé en lecteur idéal. Elle invente en lui la bienveillance dont elle avait besoin pour vivre.
elle fabrique un antidote affectif à la solitude, sur le modèle du vrai père qui avait, juste avant sa mort, autorisé le départ de Roxane en exil. Le texte élabore une figure bienveillante substitue l'écrivain. De Montesquieu, cette fille d'alliance s'imagine même être le choix d'une prédilection. Elle signe « Votre Roxane préférée ». Le triangle littérature père-fille est toujours fécond, et c'est toujours par le biais de l'être au père empêché d'être là, biologique chez Alcoba, fictif chez Javan, que la littérature littéraire est stimulée pour les filles. Mais regardons de plus près la présence du littéraire à l'intérieur du récit. Grâce à son invention épistolaire, une nouvelle carte de Paris est redessinée. Roxane choisit des noms d'écrivains pour les adresses fantaisistes où elle écrit à Montesquieu. Au début, elle prend un nom de rue au hasard, et puis elle décide de choisir des adresses selon ses lectures du moment, ce qui dessine son itinéraire intellectuel. Elle écrit une fois par mois et change chaque fois le nom de la rue. Elle renvoie sa première lettre à Montesquieu au 7 rue Montesquieu, justement, ce qui produit une circularité humoristique, puisque l'auteur a donné son nom à la rue. L'espace du texte est ainsi redessiné non seulement parce qu'il entrecroise de multiples noms d'écrivains, comme on voit ici, mais aussi parce qu'il est greffé leurs citations littéraires. Le procédé est repris dans « Je ne suis pas celle que je suis » de façon parfois implicite et très subtile. Ainsi, elle joue finement sur une comparaison avec Lamartine. Tout le monde se souvient du célèbre vers romantique, n'est-ce pas ? Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Eh bien, elle écrit « À elle seule, elle était trop peuplée et personne ne lui manquait ». L'inversion de la citation lamartinienne entérine l'autosuffisance de la narratrice grâce à la littérature et le travail compensatoire de l'imagination. Dans l'épilogue de ce livre, la personne qui signe l'auteur fait référence à Flaubert, champion du réalisme, à qui elle rattache le débat plus théorique sur le rapport entre l'auteur et ses personnages. On connaît la phrase célèbre de Flaubert, « Madame Bovary, c'est moi ». Elle dit une sorte de vérité, même si c'est irréel. Par le biais de Flaubert, elle discute les fondements de l'autobiographie qu'elle récuse comme genre, trouvant une vérité à la fiction qui n'est pas celle de la réalité, en se réservant le droit de ne pas révéler à son lectorat quelles expériences de son personnage de fiction ont été véritablement les siennes dans la réalité. Donc elle récuse un genre littéraire, tout simplement. Ça va assez loin. Voyons la créativité littéraire de Javan dans la langue et les jeux sur les mots. C'est chez Javan que la créativité sur la langue est la plus variée, je dirais, et la plus étonnante. Elle mérite qu'on s'y arrête un peu plus longtemps. Regardons d'abord la récupération du fonctionnement morphologique de la langue pour alimenter le récit. Une tentative de conjugaison est directement intégrée au récit, celle du verbe « frire », alors que Roxane exerce un petit boulot chez McDonald's et qu'elle est en charge des frites. Donc, pendant qu'elle les cuit, les frites, elle s'exerce à la conjugaison du verbe à des temps totalement inusités en français, le subjonctif imparfait. Tour de force de compléter donc les formes soutenues inusitées dans le Larousse, ne cherchez pas, vous ne les trouverez pas, dans les temps simples du présent et du futur. Autant dire que de façon étonnante, la conjugaison devient objet du récit et qu'une étrangère fait œuvre de perfectionnement. Elle compense les lacunes du français en lui affublant les usages qu'il n'a pas. La conclusion est humoristique. Voilà, elle terrasse, voyez, l'imparfait du subjonctif. La métaphore est éloquente. Que je cuisisse, que je fisse, que je fusse, que j'eusse. Les subjonctifs claquent comme des coups d'épée contre l'ignorance. La lucidité finale sur le néologisme créé, bien qu'on ne frise pas, moi je frise,
dit-elle, marque l'indépendance d'esprit et l'intelligence de la jeune étrangère, mais sert également de compensation à l'acte dérisoire, prosaïque et répétitif de cuisiner des pommes de terre. Le jeu final sur les sonorités couronne l'exercice morphologique et libère une euphorie verbale qui distrait et masque l'enfermement de l'apprenante dans l'activité solitaire de la cuisson. Le jeu sur les conjugaisons se retrouve plus loin, nanti d'une charge plus violente et polémique visant son pays d'origine. La morphologie de la langue devient ici stratégie narrative, porteuse d'une valeur informative et politique sur l'intrigue, et montre bien sûr, suggère par cette seule conjugaison à l'intérieur du texte littéraire, eh bien, l'injustice du système iranien et des religieux en place. Mais c'est aussi sur les sonorités que l'auteur joue très finement. Elle dénonce le regard hypocrite des hommes, vous avez compris qu'elle était contre le port du voile, n'est-ce pas ? Le regard des hommes qui fouillent le corps des femmes à travers le voile. C'est ça le regard perçant. C'est sur la langue que son inspiration se libère. Quelle belle garce, dit-elle, quelle belle grâce. Jeu de paronomase qui montre en quelque sorte l'attraction-répulsion. On salue le parallélisme de construction et le jeu de sonorité pour exprimer la dualité de l'apprenant face à son objet d'étude, le désir, la répulsion. On retrouve ce jeu sur les sonorités également dans le livre suivant, « Je ne suis pas celle que je suis ». Parfois, elle explique elle-même le procédé dans une autodérision amère. L'écriture poétique est chargée de compenser l'entrave existentielle, de rendre à la vie sa beauté. Voilà, hein. Il faut dire, quand elle parle de la troisième intelligence surdouée d'Iran, que la petite Roxane avait passé un test enfant pour voir son niveau d'intelligence, et elle s'était avérée une enfant surdouée et la troisième d'Iran. Hein. Donc, mais elle est dans une chambre de bonne à Paris, en proie à la folie. Voilà, ça rime, nous sommes sauvés. On voit la fluctuation délibérée également sur les clichés de langue. Dans ce jeu, l'auteur intègre souvent la dimension du bilinguisme. Le français était du chinois pour elle. Elle reprend ce cliché de langue pour le français, ce qui évidemment dans la bouche d'une iranienne est particulièrement humoristique. Je réussis doublement sur le plan de la langue et de l'humour, et on mesure l'évolution quand dans l'autre roman, Je ne suis pas celle que je suis, elle prend ses distances progressivement avec le persan qu'elle désavoue comme langue de violence, et elle dit alors que c'est le persan qui est devenu du chinois pour elle. La narratrice tourne en dérision la crainte qu'Aroxane désarticule. Face à son agonie linguistique, elle plaisante. Ce jeu sur la polysémie est assez subtil ici, puisque le même mot change de sens dans la phrase, ce que les spécialistes appellent une antanaclase. Ce qui peut tenir à distance la tentation suicidaire et peut-être dédramatiser l'angoisse. C'est par l'humour que l'on combat l'angoisse. La langue elle-même devient donc moteur de créativité. Dans celle que je suis, elle conclut sa réflexion sur les bienfaits de la littérature par un alexandrin qui pourrait être inspiré de Rimbaud et qui vise à renforcer l'énergie vitale menée par le désespoir. Très belle Alexandre, un beau poème me nourrit qu'un bon repas. Le psy qui l'écoute, car c'est l'histoire de l'analyse, il conclut en pensant, ah, jolie formule, en son aptitude de lecteur et en même temps la légitimité de la vocation littéraire de sa cliente, à la fois par sa prédilection pour le rêve et par sa maîtrise de la formulation, sûrement entraînée par toutes les phrases littéraires qu'elle cite en modèle. L'exercice stylistique se pose donc comme une résolution trouvée aux contradictions internes et à l'angoisse de mort venue de l'exil. Mais voyons rapidement les prolongements de cette réussite linguistique, la cure psychanalytique comme objet d'écriture littéraire dans « Je ne suis pas celle que je suis ». Les deux narratrices, comment peut-on être français et je ne suis pas celle que je suis, font une tentative de suicide. Une thérapie s'impose,
mais se heurtent à la barrière de la langue. En effet, on les prévient, certains symptômes peuvent être accentués ou au contraire atténués du fait qu'elle parle une langue étrangère, ce qui est confirmé par l'analyse comparative que fait la patiente elle-même. Les mots français n'ont pas la même signification et la même puissance, surtout, la même puissance émotionnelle sur l'inconscient. Le trauma provenant de la langue et de l'expérience natale, fondé sur des rapports de violence et, comme on le voit ici, de haine, semble tel que la narratrice perd l'espoir de jamais se délivrer. La patiente étrangère se montre particulièrement sensible, peut-être plus qu'une native, à la méthode d'interaction linguistique sur laquelle est fondée la cure. Et le rôle rassurant du psy crédibilise l'action de sa langue d'apprentissage. Progressivement, elle prend conscience que ses symptômes d'angoisse pour un père souvent violent expriment son désir pour ce père, on va dire typiquement freudien, ce qui est refoulé en elle. Finalement, il y aura report de cette libération réussie sur la langue française, récipiendaire du plaisir détaché de son objet originel. En parallèle, la psychanalyse de la narratrice, qui n'est jamais nommée, on ne sait pas comment elle s'appelle, elle réussit. Et elle dit à la fin, les mots français sont entrés dans mon enfance. Et oui, parce que le problème d'être étrangère, c'est ce que dit aussi Nancy Houston, c'est que l'enfance, elle, ne se fait pas en français. La narratrice a jusqu'à faire la paix en rêve avec son père. Et alors, il y a cette réconciliation incroyable dans le rêve. Là, on n'est plus dans le cauchemar, mais au contraire, dans un rêve réussi, grâce à la psychanalyse, réussi en français, dans la langue d'apprentissage. Donc, elle voit son père, et surtout, le père lui parle en français. On voit que c'est dans un long récit de 500 pages que l'auteur choisit de faire l'historique précis de cette psychanalyse originale d'une étrangère en français, séance après séance. Et ça, c'est toute l'histoire de « Je ne suis pas celle que je suis ». Je passe la main. Bien, et nous arrivons à notre troisième autrice, Nancy Houston. Donc, écrivaine bilingue. Et nous allons évoquer « Nord perdu », paru en 1998. L'ordre, tout d'abord une courte biographie, et ensuite l'ordre sera modifié puisque nous ne terminerons pas par la créativité littéraire, mais par le rôle actif de la littérature dans l'expérience de la migrante. Quelques mots donc sur sa biographie. Nancy Houston naît en 1953 au Canada. Elle vient pour faire ses études à l'âge de 20 ans et elle reste en France. Elle a eu une adolescence difficile et le fait de s'installer à l'étranger, dit-elle, lui a donné cet instinct de survie qui lui manquait à un moment donné. Et donc, arrivant à Paris, elle suit les séminaires de Roland Barthes et participe activement au MLF. Sa carrière de romancière débute en 1981 avec les variations Goldberg. Et puis, elle revient pour la première fois à sa langue maternelle dans Cantique des plaintes. Comme le roman est refusé par les éditeurs anglophones, elle se résigne à le traduire en français. Et elle s'aperçoit que la traduction améliore l'original. Depuis, elle utilise cette technique de double écriture pour tous ses romans, se servant exclusivement du français pour ses essais et articles. En 1979, elle épouse Todorov avec deux enfants. Et arrivée en 1973, elle écrit Nord perdu en 1998, soit 25 ans après son arrivée. Alors tout d'abord, quelques mots sur le bilan de son apprentissage, mais qui est passé depuis longtemps, il ne faut pas être entière, quand elle écrit « Nord perdu ». Elle dit cependant que malgré tous ses efforts, malgré tous les efforts que
que font les personnes qui apprennent une langue étrangère. L'étranger, dit-elle, apprend à maîtriser de mieux en mieux la langue d'adoption. Mais il subsiste quand même presque toujours, en dépit des efforts acharnés, un petit rien, une trace d'accent, une difficulté concernant le genre, une imperceptible maladresse dans l'accord des verbes. Et concernant l'accent, la narratrice oscille entre deux attitudes. En réalité, elle revendique son droit à jouer de son accent, qu'il s'agisse d'ailleurs du français ou de l'anglais. Mais tout de même, au détour d'une phrase, elle dit sa préférence pour l'écriture, pour la raison justement que là, son accent ne s'entend pas. Concernant les erreurs de genre et donc d'articles, comme chez Javan, elle donne une liste de substantifs qui se trouve ici en gras. Une liste de substantifs, deux dont la terminaison est en « oir », deux autres qui se terminent par « on » et qui ont des genres différents. Elle souligne là implicitement l'arbitraire du genre et des noms et des objets, tout comme le faisait la Roxane de Javan. Enfin, la narratrice élargit son constat sur le français aux langues en général. Elle explique son désir de faire plaisir à ses interlocuteurs français, mais elle constate que ce qui fera plaisir à l'un sera considéré comme du snobisme par d'autres. Et ses hésitations concernent aussi sa langue première, puisqu'elle se demande, mais donc, quel anglais parler. Et puis elle affirme son intérêt, son préjugé positif à l'égard des individus à accent. « Dès que j'entends une voix à accent, je tends l'oreille », affirme la narratrice, qui poursuit en affirmant la supériorité de celui qui connaît deux langues, et donc deux cultures, et donc le passage difficile de l'une à l'autre. On s'en doutait, mais Houston l'affirme haut et fort, l'apprentissage d'une langue va bien au-delà de l'apprentissage que je n'ose qualifier de simple, d'un système linguistique. Cet apprentissage modifie l'être dans son entièreté. Ainsi, la pratique du français, son exil en France, mène la narratrice de Nord perdu à conclure « Serait-ce que, y compris dans ma propre langue, je ne me supporte qu'étrangère, dotée d'un accent ?» Et je redonne la parole à Marie-Françoise pour la créativité littéraire de Houston. On en parle directement après le bilan de l'apprentissage, parce que c'est directement sur la langue que la narratrice développe son nouveau talent. Elle a en effet une expertise pour mélanger les niveaux de langue dans Nord perdu. Et ce mélange vise souvent un effet comique. Et oui, dit-elle, c'est comme ça. Elle joue à l'ingénu, un peu imbécile. Même si je vis en France depuis plus longtemps que, par exemple, mes enfants, ça va de soi, je ne serai jamais aussi française qu'eux. Et voyez que la conclusion est beaucoup plus sérieuse que l'air badin et qu'elle a pris. Donc, elle se pose comme étant très à l'aise, qui est radicalement différent, évidemment, de la Roxane et de la narratrice d'Alcoba, peut-être pour parodier un peu la suffisance des Français. Elle utilise l'argot, facilement, qui trahit l'habitude d'être enfermée dans son identité d'air. Quand on lui dit « comme vous êtes canadienne et vous avez froid à Paris », eh ben oui, merde, dit-elle, ouais, je revendique le droit d'avoir froid. Donc elle est sans vergogne, décomplexée. Vous voyez, c'est intéressant de voir l'évolution sur trois étapes de la vie, parce que là, on voit l'ancienne apprenante tout à fait à l'aise avec les codes les plus subtils de la langue française. Mais elle est également capable de jouer sur littéralement les mots. Et elle peut vouloir dire, mais souvent, elle dit, les mots ne veulent pas dire, c'est-à-dire qu'ils refusent de dire. Et quand elle cherche un mot perdu, il ne voulait rien lui dire. La transposition dynamique du discours sur les mots eux-mêmes montre leur refus de communiquer. Elle a des trouvailles stylistiques. Elle aime surprendre par des formules frappantes.
Ainsi, elle juge avec une certaine condescendance la Smala anti-Marmaille d'une génération d'écrivains comme Sartre qui n'a pas voulu d'enfants. Mère de famille a une autre vision sur cet état. Pour faire référence aux Français sédentaires, elle a une autre formule frappante. Elle parle des monolingues impatriés. Formule suggestive, articule pays et la langue, et en outre comique, car sa préciosité rivalise avec le pédantisme des Français dont elle est en train de se moquer. Donc, vous voyez, elle les imite mieux. Elle pratique avec bonheur pour son lectorat l'oralisation extrême du discours, c'est-à-dire qu'elle met en scène un discours où elle prend à partie les Français et elle leur dit « vous autres ». Elle les interpelle et elle imagine les reproches qu'ils lui font. « J'ai bien entendu, vous vous êtes trompé, ce sont les Français qui parlent, n'est-ce pas ?»« Ah, mais on est malin, on vous a deviné, vous n'êtes pas d'ici. » Elle insiste en le caricaturant sur le discours des Français en pouvoir d'exclure linguistiquement de leur communauté d'initiés. Mais elle imagine aussi, sous forme de discours qui rend le texte très vivant, les critiques de ses propres concitoyens quand elle revient au Canada. C'est ça ta langue maternelle? T'as vu l'état dans lequel il est? Enfin, c'est pas possible, t'as un accent. Tu n'arrêtes pas d'introduire dans ton anglais des mots français. C'est ridicule. Mais tu fais semblant ou quoi? La narratrice leur réplique dans le texte que justement, elle ne sait pas quel anglais parler parce qu'elle a plein d'anglais de régions différentes où elle est allée, aux États-Unis, au Canada. Et elle ne sait pas lequel choisir, donc elle leur dit « dites-moi ce qui vous arrange, j'essaierai de vous faire plaisir », en se moquant, là encore, d'eux. À travers ces discours rapportés et juxtaposés, aussi bien des Français qui lui reprochent sa langue anglaise que des anglophones qui lui reprochent sa langue française, elle met en scène, mieux que par une brillante argumentation, la solitude de l'exilé. Mais voyons et terminons par le rôle actif de la littérature dans l'expérience de la migrante. On ignore quelle part exacte la littérature a joué dans l'apprentissage de l'héroïne. Je veux dire qu'on ne le sait pas dans son œuvre, elle n'en parle pas directement, sauf, on va voir, au moment où elle venait d'arriver à Paris. Ce que l'on comprend, c'est que cet apprentissage n'est pas terminé et ne le sera jamais. Quant à la littérature, elle est devenue son activité professionnelle. Elle prend conscience du fait que son expérience de migrante lui a donné une grande souplesse dans l'écriture et a permis des libertés stylistiques. En particulier, ces fameuses ruptures entre le style familier, même argotique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le niveau de langue soutenu. Donc, le handicap linguistique de l'étrangère est retourné en avantage dans l'activité stylistique. On a vu aussi, chez Javan, ce parti pris de la migrante de retourner l'adversité et de transformer une limite linguistique ou culturelle en formidable potentiel de créativité. À l'inverse de cette plus grande souplesse, la narratrice étudie finement les entraves spécifiques au code français de création qu'elle a dû surmonter pour écrire. N'oublions pas qu'elle était émule de Barthes. Elle montre en quoi cette filiation littéraire, entendons, a failli être fatale à son œuvre. Donc, vous voyez, elle n'est pas comme Roxane qui sollicite Montesquieu, elle coupe le cordon avec Barthes. Car elle dit, avec du recul, elle dénonce les positions de son école critique, ce qui suppose évidemment un recul et une objectivité venue avec l'âge et que n'a pas la jeune migrante fraîchement débarquée vis-à-vis de son monde français. Elle se dit alors s'il devrait se dépouiller de tout le style pour atteindre à une écriture degré zéro, vous connaissez la formule de Barthes, écriture degré zéro, selon la fameuse expression de Roland Barthes, qui lui, à cause de ça, avait renoncé à la fiction. La prise de distance vis-à-vis de son école critique s'énonce sans complaisance. Ils avaient commencé à me ligoter l'imaginaire, pour ne pas dire taper sur les nerfs.
parle de, n'est-ce pas, et ce qui montre, là encore, l'assurance nouvelle de la migrante d'âge mûr vis-à-vis de ses mentors français, en comparaison, évidemment, de l'enthousiasme juvénile de la jeune arrivante. Écrivaine professionnelle, elle doit s'occuper de la traduction de son œuvre. C'est elle, évidemment, qui gère et qui traduit. Elle s'est lancée dans la traduction de ses livres. Voilà, en traduisant ses livres, que jamais elle n'aurait écrit cela dans l'autre langue. Ce que la narratrice analyse désormais bien, c'est que la langue n'est pas un simple mot, élément linguistique, elle implique aussi une vision du monde, une worldview en anglais. Il est révélateur d'ailleurs, hein, qu'elle utilise l'anglais pour exprimer ce concept. Mais le problème est que ces différentes world views ne sont pas forcément compatibles, ce qui peut créer une incohérence et une sorte de paralysie intérieure. L'expérience de l'écriture dans une autre que sa langue natale affecte donc le problème d'identité. Seule l'écrivaine d'origine étrangère peut avoir ce recul suffisant pour en expliciter le fonctionnement. Qui sommes-nous, alors? C'est déboussolant, vous comprenez, et vous voyez dans le déboussolant l'origine du titre « Le Nord perdu hein, », quand on a perdu sa boussole et sa direction, c'est-à-dire quand il y a un risque de devenir peut-être déboussolé, c'est-à-dire fou. Elle son public lecteur en tant qu'écrivaine, c'est normal. Écrivant en anglais comme en français, elle a conscience que ne peut pas plaire au public anglophone ou francophone. Elle a donc un horizon d'attente par qu'elle utilise. Et là où c'est intéressant, le paradoxe qui la surprend et qui l'enchante, qu'il semble que la capacité à être perturbée dans ses a priori soit une des grandes leçons de la création dans une autre langue. Qu'elle découvre que les gens n'ont pas eu le lectorat logique auquel elle s'attendait. Et donc, qu'elle considère comme très français, ont eu du succès au Canada. Et inversement, dit-elle, mon roman sur les cow-boys et les Indiens a mieux marché en France. Ah, et elle conclut comme quoi il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'exotisme, ce qui montre les progrès de la réflexion entre la migrante plus ancienne qui a osé et dépassé les stéréotypes et la jeune migrante hétéroxane, émerveillée par l'exotisme de Paris. Alors, en conclusion, nous voyons que la richesse de ce nouveau corpus translingue, mot nouveau qui a été créé par les critiques, émergé ces 20 dernières années, et qui montre la consécration de nouveaux écrivains, écrivaines issus de l'immigration. L'exil est un grand perturbateur sur le plan linguistique et existentiel. Il permet d'aller puiser dans ce creuset de souffrance et d'insécurité qui alimente l'inspiration nouvelle. Privés de leurs racines, déstabilisés dans leurs habitudes de vie et dans leur sécurité active, les exilés se tournent vers l'écriture littéraire pour tenter de recapter une forme d'unité intérieure à travers cette langue nouvelle qui est entrée dans leur corps et qui désormais fait corps avec eux. Nous en avons fini. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons peut-être ouvrir le débat. Avez-vous des questions, des commentaires, des réflexions ? Si vous n'êtes pas trop abattu par la conférence et par sa durée, on a un tout petit peu débordé. Nous, on a pris notre temps, hein, reconnaissez-le. Oui, ça serait bien. Voilà, on a préféré parler lentement pour que ce soit compréhensible. Voilà, merci beaucoup. Les Marie-Françoise, ça devient un nom propre définitif. Patronyme. pour ces présentations de ces trois autrices. Qu'on finira par connaître très bien grâce à vous hein, et à vos différentes interventions. C'est toujours agréable d'entendre. Moi, j'ai retenu une chose de ce que vous avez dit. J'espère que j'ai retenu un peu plus qu'une chose. Mais en tout cas, ce qui me frappe là,
C'est vraiment, tu le dis dans ta conclusion, Marie-Françoise, les deux premières autrices, narratrices jeunes, toutes les deux quand même, 13 et 25 ans, je crois que c'est ça que vous avez dit à peu près, hein, elles parlent beaucoup du corps. Enfin, l'apprentissage, ça passe par le corps. Toutes les citations disent quelque chose du corps. Tandis que pour la dernière autrice, 45 ans, je n'ai pas vu beaucoup de citations où le français passe par le corps, finalement. C'est devenu autre chose. C'est beaucoup plus, je ne sais pas si c'est spirituel le mot qui convient, c'est peut-être pas celui-là, mais procédural sûrement. Enfin, on est passé ailleurs, en tout cas. La visibilité de la langue par le corps ou dans le corps n'apparaît plus chez Houston, en tout cas, pas dans cette œuvre-là. Je ne sais pas si dans d'autres œuvres ça apparaît ou pas, mais dans les citations que vous donnez là, ça... Donc, dans le bilan qu'elle tire de son apprentissage, le corps n'apparaît pas. Non, c'est vrai. Peu. C'est vrai. Et donc, je me demande si dans les autres œuvres, puisque maintenant, vous en connaissez énormément, hein, là, vous en avez montré trois, mais est-ce que cette présence du corps est si prégnante, là, parce que là, c'est vraiment flagrant avec les deux autrices, les deux premières, là. Alors, il faudrait le relire avec, en ayant cela à l'esprit, parce qu'en fait... Voilà, hein. Nous ne le savions pas avant de les lire et de les relire. Voilà. Mais moi, en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que le corps est concerné beaucoup parce qu'il est question d'apprentissage des sons. Oui. Et là, il est vraiment flagrant. Enfin, c'est ce que je dis aux étudiants. J'espère qu'ils sont convaincus, mais moi, je le suis à nouveau. C'est que vraiment, l'apprentissage de la prononciation et de la phonétique, c'est autre chose que d'apprendre du vocabulaire, etc. Ouais, ouais. Il n'y a pas de la phonétique quand même. Hein. Il n'y a pas de la phonétique là chez, excuse-moi, la deuxième autrice. J'ai oublié son nom, excuse-moi. Javan, voilà. Javan, quand elle parle du persan, et qu'elle dit, je ne sais plus avec quel mot, mais il y avait une très belle citation où elle dit que le persan lui perce l'estomac ou le ventre. Le regard des hommes perce le voile pour littéralement entrer dans le corps des femmes, oui, par le regard. Ah non, mais il y a quelque chose sur le persan aussi, hein, sur la langue, il y a une citation là comme ça. Ouais. Elle joue sur les deux. Ouais. Donc ce n'est pas que la phonétique, c'est ça que je voulais dire. Je tire la couverture à moi, c'est tout. Mais remarque, là aussi, le jeu de mots, il est oral. Perçant la langue et perçant le regard. Ouais. Perçant le regard, oui. Ouais. Tout à fait, oui. Ouais, tout à fait. Elle parle beaucoup avec ça, elle. Hein. Ouais, ouais. Je crois que Johanna a une question. Plutôt un commentaire. Tout d'abord, merci pour cette présentation qui était vraiment très intéressante et inspirante. Je connais le livre de Nancy Houston, je connais Javan. Et j'avais un commentaire par rapport à ce que Elisabeth vient de dire à propos du corps. Il y avait une anecdote très drôle que j'ai retenue dans le livre de Nancy Houston où elle dit que quand ils vont être vieux avec son mari, quand ils vont avoir commencer à souffrir de la maladie d'Alzheimer, ouais. Ils vont oublier leur langue française et ils vont être incapables de se comprendre parce que l'un va dire des choses incompréhensibles et puis peut-être pas cohérentes en bulgare et l'autre en anglais va lui répondre en anglais. Donc ça, c'est peut-être une allusion un peu corporelle aussi à l'apprentissage. Non, mais ça, c'est anecdotique. Mais je voulais juste encore, j'ai encore une autre commentaire aussi anecdotique. Quand j'observais, comme vous avez décrit avec tant de précision le récit de l'apprentissage de Javan, donc je me suis dit que vraiment, en fait, ça montre aussi ce principe didactique fondamental qui dit qu'on apprend la langue en communiquant. Et Javan aussi, elle a commencé à apprendre seulement au moment où elle a commencé vraiment à avoir un locuteur fictif à qui elle pouvait commencer à parler. Quand elle apprenait avant, avec son dictionnaire, avec Becherel, elle n'avançait pas. C'est seulement lorsqu'elle a commencé à parler à Montesquieu qu'elle a effectivement commencé à trouver une expression personnelle, son style, etc.
Et on voit bien aussi comment le corps est mis en cause dans les rêves que font les différentes narratrices, puisque chez Alcoba, elle rêve qu'elle est nue, enfin, son corps est nu dans un espace public. Chez Javan, elle rêve que tous les objets lui tombent, enfin, la saille en quelque sorte. Donc, on voit bien que le corps est mis à mal dans l'inconscient du sujet par cet apprentissage. Le corps est en danger. Et les cauchemars, apparemment, peut-être que dans l'âge mûr, enfin, de Houston, il n'y a plus tellement de cauchemars comme cela. On voit l'évolution entre les différentes étapes de la vie. Et puis, j'ai pensé aussi à ce moment, lorsque vous avez aussi rélevé les deux verbes qu'elle a de conjuguer dans sa tête, je pense aussi que peut-être c'est un peu lié à ces images obsessionnelles, en fait, c'est des verbes qui sont liés à son vécu, en fait, à ce qu'elle a vécu en Iran, cette expérience personnelle en Iran, et puis à ce qu'elle est en train aussi de vivre en France avec ce boulot frustrant au McDo, en fait, les deux verbes aussi qui font référence un tout petit peu à, je ne sais pas, à certains passages peut-être difficiles et à certaines idées qu'elle n'arrive pas à évacuer de sa tête, qu'elle rumine dans sa tête sans cesse, je ne sais pas. C'est aussi, en fait, je ne sais pas si le choix de verbe qu'elle conjugue, voilà, peut-être il y a aussi une clé. De frire. Le premier, c'est oui. Frire, et le deuxième, c'est arrêter. Oui, mais oui. Alors, le deuxième, c'est une réalité politique, mais quand même, le corps est arrêté aussi. Hein. Frire, on peut se demander si elle n'est pas en train de se projeter elle-même comme frire dans la poêle, quoi, dans la poêle du français, enfin... Parce que je frise, personne ne frise, mais moi je frise. Et puis elle insiste, enfin, c'est à des personnes qui n'existent pas en français. Donc, non seulement il y a ce côté obsessionnel, enfin, on se demande ce qu'il y a dans sa poêle, quoi. Effectivement, elle est en train de concocter une cuisine particulière qui est juste un petit peu plus, à mon avis, que les frites de McDo. C'est l'heure du dîner, hein, vous comprendrez. C'est dommage, j'aurais pas de fric. Bon, il y a aussi ce rapport assez ambigu avec la langue maternelle chez les trois autrices. Répulsion, surtout pour les premières, et puis pour Nancy Houston, c'est un peu plus compliqué peut-être. Enfin, comment vous voyez le rapport entre eux? La langue maternelle et enfin entre les autrices et leur langue maternelle respective. Oui, effectivement, il y a une dualité là, il y a une ambiguïté. C'est à la fois c'est la valeur enracinante et en même temps c'est la valeur enfermante. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'à la langue maternelle est attachée l'idée d'un enfermement dont le sujet veut se libérer. Alors pour des raisons différentes. Qui n'affleure pas dans le texte. Chez Houston, probablement, cette adolescence perturbée, le fait que sa mère a quitté le foyer très tôt, s'est retrouvée avec une belle-mère, ils ont déménagé, etc. Probablement, Paris, elle le dit, l'arrivée à Paris montrait comme une libération, et alors comme elle venait faire ses études, en fait, elle y est restée. Chez Javan, la langue maternelle est chargée d'un autre traumatisme qu'on ne découvre qu'à la fin du livre, mais qui explique rétrospectivement que chez elle, la répulsion est très forte, puisque même dans « Je ne suis pas celle que je suis », elle parle de langue comme couteau. Hein, donc, mais on apprend après coup qu'elle a été violée en prison par ses gardiens islamistes. Et qu'en fait, c'est aussi ça, ce désespoir-là, il vient du fait que ce traumatisme n'a pas été géré. C'est plus léger chez Alcoba, dans la mesure où l'enfant elle-même n'a pas été en danger, mais elle pressent autour d'elle, chez son père en prison, enfin, le père est en prison, finalement, on ne sait pas s'il en sortira, hein. Et puis les parents sont séparés et l'enfant
pressent bien qu'il y a une sorte de mésentente entre les parents. Donc, mais c'est beaucoup plus léger, et comme par hasard, dans le récit d'Alcoba, l'apprentissage est plus joyeux. Enfin, elle a une jubilation aussi, hein, à la langue française, que n'ont pas forcément les autres. Enfin, non pas Javan, en tout cas, c'est sûr. Mais j'ajouterais quand même pour Alcoba, quand elle dit quand même que le français, c'était la langue de la vie, alors que l'espagnol, c'était la langue dans laquelle il fallait se taire. Parce que oui. Quand j'ai commencé à lire et que j'ai vu cette insistance là sur le « e » muet, oui. Je le trouvais absolument extraordinaire. Franchement, j'étais très étonnée et je ne comprenais pas. Et seule l'interview là dont j'ai parlé, donc qu'elle a donnée à France Culture, c'est seulement là que j'ai compris que, comme on lui avait toujours demandé de se taire, puisque, bon, pour raisons politiques, etc., cet empêchement de parler était remplacé avec le français par la liberté de parler autant qu'elle le souhaitait. Et donc quand même, il y a un défoulement avec le français. Mais c'est vrai que c'est plus simple pour elle, et bien sûr parce qu'elle est plus jeune, bien évidemment, et qu'elle est dans le bain linguistique souhaité par sa mère. Et puis, quand même, dans le pays d'exil, elle est avec sa mère. Bon, oui. Son jeune âge l'explique. Mais les deux autres sont entièrement seuls. Le fait d'avoir quand même cette présence rassurante, et comme par hasard, c'est en présence de sa mère qu'elle s'est mise à prononcer pour la première fois sa première phrase en français. Donc, voilà, si le père est en danger, la mère est malgré tout une référence stable dans le récit. Quand même, cette notion de liberté, elle est intéressante parce que c'est la liberté, bon, pas seulement parce que c'est à Paris, c'est pas de la frivolité française non plus, c'est quand même, Houston le montre bien, enfin tu l'as bien montré en tout cas dans les travaux d'Houston, elle se sent libre aussi parce qu'elle est étrangère et donc elle peut faire des erreurs, elle peut se permettre des choses que les normatifs français n'accepteraient pas des Français. Elle reste une étrangère, et finalement les autres aussi. Apprendre le français, c'est difficile, alors elles disent toute la difficulté qu'il y a eu, mais ça leur donne quand même une grande liberté aussi d'être étrangère, avec ce français, je veux dire, d'être étrangère avec ce français. Oui, mais elles ne le ressentent comme ça. Elles ne la ressentent de cette façon que, enfin, en tout cas pour Houston, on ne sait pas pour les autres, mais que parce qu'elles ont passé cette étape, effectivement, elles se permettent, elles s'autorisent. Oui. Mais les jeunes narratrices, l'héroïne de Roxane, non, ne s'autorisent pas à faire des erreurs, redoutent les erreurs. Oui. Elles se flagellent. Le saut, quoi, le saut qualitatif, ou c'est ça. Non, mais tout le passage où voilà, tu acceptes, tu t'autorises, tu es assez sûr de toi pour t'autoriser à. Voilà. Il faut 45 ans, voilà, il faut arriver à 45 ans. Ah oui. Exactement ça. Faut être patient. Ça pour les étudiants, attendez, vous verrez. Ça va s'éclaircir. Bernadetta, tu as levé la main? Ah oui. Oui, si je peux vous poser une question peut-être un peu plus terre à terre, je dirais, parce que en fait, c'était vraiment de très très belles présentations, et même une fois pour ces présentations. Mais j'ai l'impression que ce sont quand même des récits d'apprentissage assez exceptionnels. Des personnes assez exceptionnelles, avec une sensibilité. Enfin, peut-être plus grande que la moyenne de nos apprenants. Et donc, la question se pose, enfin, la question que je voudrais vous poser, qui est comment vous voyez comment ces récits d'apprentissage peuvent être utiles, importants, enfin, à des apprenants plus ordinaires et qui ne sont pas forcément dans une situation de migration ou d'exil, mm-hmm. mais qui sont là dans les classes de français et qui
qui doivent apprendre le français, quelle didactisation en fait de ces récits vous verriez? Ah, mais même pour un étudiant qui n'est pas en exil, qui n'est pas en désespoir, le fait que toutes les difficultés de langue soient mises en scène et quelque peu dramatisées même dans les récits, ça c'est très libérateur pour tous les apprenants. Le fait que les narratrices s'auto-flagellent, ils voient tout ce parcours douloureux quand même qu'elles traversent, et en quelque sorte ils voient projeté dans l'œuvre et dramatisé dans l'œuvre leur propre expérience qui leur fait vivre une sorte de catharsis à eux du coup. Oui, et je dirais qu'en réalité les apprenants, les vrais, ressentent la même chose ou autre chose, c'est bien d'avoir ce point d'ancrage qui est le récit, et évidemment un récit littéraire qui dramatise, qui met en exergue, même si l'identification ne peut pas être totale, parce qu'effectivement, oui, bien sûr, ce sont d'anciennes apprenantes extraordinaires, je pense que ça n'empêche pas qu'un apprenant plus ordinaire y retrouve des sensations et puisse, oui, se repérer par rapport à ça, pour y retrouver ce qu'il a vécu ou pour dire qu'il a vécu différemment, qu'il a vécu autre chose. Et puis peut-être qu'un apprenant qui semble ordinaire est un futur écrivain en herbe, enfin, on ne sait pas non plus. Je veux dire que quand Roxane, quand elle est au cours de civilisation française et qu'elle répète les formules un peu simples et bêtifiantes comme les autres, personne ne sait qu'elle va devenir écrivaine. Et, enfin, donc, elle est dans l'anonymat, elle est reléguée à une sorte d'infantilisation par son apprentissage. Et ça, ils le montrent bien tous. La grande frustration des apprenants adultes, c'est qu'ils ont la maturité de parler, mais ils n'en ont pas les moyens linguistiques. Et de retrouver ça mis en scène, ça libère les apprenants. En tout cas, ils sont décomplexés. Le texte, par exemple, d'Agota Christophe, où elle a honte, cette femme adulte qui a 26 ans, hein, donc l'âge de Roxane, et qui retourne à l'école, ben, elle a honte. Elle a honte et elle le dit dans son texte. Et c'est incroyable comme les apprenants vibrent, parce que ces complexes-là, ils les ont aussi, quelque part. Et donc, ça les rassure, ça les rassure. Et que Christophe soit devenu une grande écrivaine, ensuite, ça les stimule, parce qu'au stade où ils en sont de leur apprentissage, ils disent « pourquoi pas moi ?» Vous voyez, ils ne disent pas « ben moi, je suis moins intelligent que elle ». Ils se disent « elle a réussi alors qu'elle avait les pires complexes, bon, ben moi aussi ». Et très souvent, il le disait, il se remettait à l'écriture. Ils avaient un peu abandonné en apprenant le français, et du coup, ils avaient envie de se remettre à écrire, pour ceux qui avaient déjà pratiqué un peu dans leur langue. Ah, voilà le chat de Yana. Tant mieux. Mais est-ce que dans votre analyse, est-ce que vous vous êtes posé la question, enfin, parce que vous avez dit, Marie-Françoise, tout à l'heure, vous avez parlé de la mise en scène de récits d'apprentissage. Je pense que c'est vraiment intéressant de parler de la mise en scène et de se poser la question, pourquoi elle met ça en scène comme ça et comment ça s'inscrit dans un projet, dans le projet de livre et dans le projet de construction, je ne sais pas, d'une identité fictive ou réelle, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse, ce récit, comme si on ne le prenait pas à la lettre, et pourquoi ces récits sont là, enfin, quelle est leur fonction dans le cadre du livre et dans le cadre du projet littéraire particulier. Parce que ça, c'est aussi important pour...
pour l'apprenant de découvrir ça. Donc, de découvrir ce côté, ce projet qui est derrière ce récit. Enfin, pourquoi elle fait ce récit comme ça? Bah, c'est une mise en scène. Enfin, le fait, c'est une construction littéraire, le récit. Oui, bien sûr. Aspect, on voit que les métaphores, enfin, il y a une extrémisation. Voilà, donc c'est une mise en scène. Mais de par cette mise en scène même, l'apprenant sait que c'est du théâtre, qu'il rentre dans du théâtre. On lui demande de jouer un rôle. Et moi, je crois que la lecture littéraire fonctionne un peu comme la cure psychanalytique qu'a raconté Javan dans « Je ne suis pas celle que je suis ». C'est-à-dire qu'il y a une forme de libération par ce jeu théâtral qui est proposé à l'apprenant et dans lequel on lui demande d'être partenaire. Enfin, par l'identification, il devient partenaire de cette écriture-là. Et alors, à condition de pouvoir vraiment entrer dans cette mise en scène, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas, il faudrait peut-être faire des recherches là-dessus pour voir quelle est effectivement, parce que là, c'est quelque chose que vous postulez ou que peut-être que vous avez, dont vous avez eu l'expérience avec vos apprenants, mais peut-être pas de manière systématique. Est-ce que c'est vraiment toujours comme ça, est-ce que c'est toujours... je me souviens, moi, par exemple, de mes premières lectures, je ne pense pas avoir eu cet élan d'enthousiasme. Au contraire, c'est frustrant, c'est très frustrant de lire un texte construit qui est très riche, dont on ne connaît pas beaucoup de mots, on est vraiment au déchiffrement. Oui. Plutôt que dans l'interprétation, l'identification, non, enfin, je ne sais pas, enfin, c'est peut-être également la question de niveau, mais ça ne me paraît pas aussi évident, aussi allant de soi. Et je me demande quelles compétences il faut avoir en tant qu'apprenant pour justement accéder à cette mise en scène, à découvrir cette mise en scène. Alors, ça, c'est tout le problème de l'analyse littéraire. Est-ce que l'identification... Moi, je pense que chez les allophones, il n'y a pas d'identification à la première lecture littéraire. C'est pas... Effectivement, il peut y avoir un découragement à lire un texte d'un niveau quand même assez soutenu et construit. Donc ça, je veux dire que l'identification, moi, je l'ai toujours expérimenté avec mes étudiants, en fin de parcours, il faut d'abord démonter le texte avec eux, enfin, voir comment il est construit. Et là, le plaisir de l'identification se développe au fur et à mesure qu'on fait l'analyse avec eux. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on a choisi de faire ce MOOC pour que le stade intermédiaire de l'analyse ne soit pas bâclé, parce que l'identification dépend de la façon dont les clés, et on revient toujours là, les clés du texte seront données, et non seulement données, mais comment le public va les prendre, va se les approprier aussi. Donc, ce sera un peu l'inverse de ce qu'on fait en langue maternelle, quand on lit le livre, on s'identifie peut-être. Absolument. Je suis persuadée que la lecture en FLE fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander... Quand un étranger lit un texte en langue française, moi je leur demande ce qu'ils en pensent, en général c'est très pauvre les réactions, et ils ne sont pas du tout animés par le texte. Vous donnez 2 heures pendant lesquelles on l'explique, à la fin vous reposez la même question, et là vous avez une foison de bras qui se lève en disant « ouais, c'est mon histoire ». Ça fonctionne effectivement à l'inverse de la lecture en français langue maternelle. Oui, mais je dirais aussi que de toute façon, même en langue maternelle, le fait d'attirer l'attention sur une structure, un procédé, etc., augmente. Même si, quand on est à l'aise avec la langue et qu'on lit sans aucune difficulté, oui, peut-être qu'il y a une identification. Mais je pense que l'analyse, enfin, l'explication, de la façon dont le texte est fabriqué, va ajouter. De toute manière, même pour en langue maternelle. Et je crois qu'autrement,
les apprenants, quels qu'ils soient, passent à côté d'un certain nombre de ce qui fait la particularité du texte littéraire. Parce qu'il faut tout de même aussi montrer en quoi ce n'est pas le texte littéraire est différent d'un récit journalistique, et je n'ai rien contre les journalistes, mais c'est tout de même autre chose, le texte littéraire, qu'un simple récit de vie. Oui, il y a identification, mais il n'y a pas de calque. C'est une identification par le truchement littéraire. Donc ça, c'est ça que qu'il faut réussir à montrer à l'apprenant. C'est pas son double. Hein. Et on ne demande pas à l'apprenant d'avoir les mêmes réactions, de dire bah, pourquoi toi, tu n'as pas pensé que c'était sous ton nez. Là, pourtant, elle dit bien que c'est toujours sous le nez et toi, tu n'as pas fait ça. Ah, forcément, on ne peut pas demander à l'apprenant qu'il ait eu les mêmes réactions ou les mêmes identifications. Elle se fait qu'à rebours, finalement. Oui, il faut l'explication. Oui. Et je pense qu'avec l'explication, l'apprenant éprouve un nouveau type de plaisir qui est celui d'entrer dans l'intelligence du texte. Tout à fait. Et ça, c'est extrêmement stimulant. C'est un plaisir intellectuel, mais qui débloque les plaisirs affectifs qui peuvent être bloqués par le complexe, la peur, etc. À partir du moment où on lève ce tabou-là et on lui donne les clés pour rentrer dans l'intelligence du texte, alors il sent à égalité avec les personnages et presque avec l'écrivain aussi, puisqu'il arrive à comprendre ce que l'écrivain, de façon cachée, de façon implicite, de façon subtile, a peut-être laissé suggérer. Donc c'est très stimulant. Et l'intellect, enfin, pour moi, ça passe aussi par la stimulation intellectuelle, la sécurité affective, je veux dire, et l'identification, donc. Joanna, peut-être ? Je vois que Anna lève la main. Ah, oui, oui. Non, c'est, je voulais juste dire aussi que peut-être, en fait, je ne sais pas, mais peut-être qu'avant de donner à lire le livre, ce type de livre aux apprenants, il faut leur dire aussi que c'est quand même une activité spéciale, le fait qu'en fait, on a cette réflexion sur l'apprentissage et cette mise à distance de son vécu qui n'est peut-être pas non plus spontanée et qui n'est peut-être pas donnée automatiquement à tous les apprenants. Donc peut-être effectivement, il y en a, peut-être on peut aussi y voir encore un argument ou une valeur de ce type de lecture, que justement il s'agit de se dire que peut-être c'est intéressant de réfléchir un peu à la manière dont on apprend et ce que cela dit de nous-mêmes, de nos besoins, etc. C'est une chose que je voulais ajouter. Et puis l'autre, que Bernadette, tu disais que voilà, que c'est effectivement peut-être des lectures difficiles à cette étape initiale où on est plutôt dans cette phase de déchiffrement, mais peut-être justement c'est là où on peut penser une certaine progression, que par exemple mes premières lectures, les premiers livres que j'ai eu en français étaient des livres que j'étais fille au père, c'était des livres que j'ai trouvés dans la maison de vacances de la famille, donc c'était des policiers, etc. Et cela a très bien marché, je ne sais pas, j'en ai lu, je ne sais pas, une trentaine pendant mes 2 mois de vacances. Et c'est vrai que c'était vraiment un déclic qui m'a permis ensuite, tout de suite, de passer à d'autres lectures aussi. Donc peut-être effectivement, il faut tout d'abord faire une certaine masse critique de lecture plus facile, moins compliquée, qu'on lit justement parce qu'on est happé par l'histoire, et puis peut-être passer à d'autres types de livres. Voilà, c'est ce que je me disais. Et puis pour Javan aussi, son récit d'apprentissage, effectivement, c'est vraiment un livre idéal pour introduire cette notion, surtout qu'on comprend, en fait, moi, par exemple, vraiment, j'ai eu un regard, mais je pense que vous aussi, j'ai eu très différent sur la manière dont elle parlait de son apprentissage. Après avoir lu les dernières pages de roman, où on découvre en fait les raisons pour lesquelles elle a quitté Iran, etc. Donc là, c'est encore vraiment, c'est encore ça ce que je voulais ajouter. Ouais. Merci. Peut-être, Johanna, peut-être que au moment où tu as lu tous ces romans policiers, quand même une trentaine, c'est pas mal. Peut-être que tu avais besoin de suspense dans ta vie à ce moment-là, et que les romans policiers par hasard sont arrivés là pour combler cette quête.
Non, c'était Marie-Higgins Clark. C'était des livres, en fait, qu'il achetait, j'imagine, pour aller à la plage. Donc, il y en avait plein à la maison. Donc, c'est pour ça que Avec je... besoin de divertissement, alors, peut-être. Donc, il y avait pas d'autres livres. Et puis, moi, voilà, je lis beaucoup de toute façon. Donc, voilà. Mais tu les as choisis. Ça aussi, c'est important. Tu les as choisis toi-même, ces En fait, livres-là. moi, j'ai beaucoup aimé Marie-Higgins Clark, oui, voilà, quand j'avais 20 ans. Ouais. Alors, c'était traduit, là, en l'occurrence. Ah oui, bien sûr, ah oui, j'ai lu en français. Trente livres en 2 mois, c'est quand même beaucoup, hein. Ouais, c'est pas mal, je trouve. En langue étrangère. Et ça se lit vite en plus, non? Ça, Oui. en fait, je l'ai dit, en fait, je ne sais pas si c'était une trentaine ou vingtaine, peu importe, mais c'est vrai que j'en ai lu vraiment beaucoup, en fait, à ce moment-là. Oui. Et comme je m'occupais d'un petit enfant, enfin, d'un bébé qui dormait beaucoup, donc j'avais beaucoup de temps pour Chance. lire dans la journée. Oui. Ça, c'est sûr. Et est-ce qu'on est obligé de lire un livre entier, un ouvrage entier, même Alcoba, qui me paraît un peu plus simple que d'autres, par exemple, mais est-ce qu'on est obligé de lire en entier, du début à la fin, l'ouvrage pour entrer dans le littéraire de cette œuvre? Non, justement, j'y pensais tout à l'heure que pour comment dire pour cette question de la difficulté, en réalité, j'allais dire, il suffit. Oui, il suffit. Il suffit de choisir quelques lignes, un extrait qui sera adapté aux apprenants. Et non, moi, je pense qu'effectivement, il n'est pas du tout besoin de lire l'œuvre intégrale pour comprendre, mais surtout pour prendre plaisir à la lecture. Oui, c'est ça, pour entrer dans la mise en scène littéraire. Parce Oui, que ah, oui. justement, si on n'est qu'au stade du déchiffrement, comme dit Bernadetta, bon, bah, on t'envoie un livre à 300 pages, t'es découragé avant de commencer, de toute façon, hein. En plus, un livre où on te dit qu'apprendre le français, c'est dur, t'as pas envie d'aller plus loin que la deuxième page. Mais avec des extraits plus ou moins bien choisis, quand même, qui donnent justement une sorte de progression, peut-être, de l'apprentissage, où il y a peut-être quelque chose à tirer d'extraits quand même littéraires, et pas seulement d'œuvres intégrales complètes. Non, c'est Oui. certain. De toute façon, les œuvres intégrales, voilà, ça fait partie un petit peu de notre passé. Enfin, moi, j'ai vu dans les 20 dernières années, il y a 20 ans, on pouvait donner plusieurs œuvres intégrales dans un même semestre à lire. Ces dernières années, c'était pratiquement terminé, quoi. Les étudiants ne lisent plus tellement. Et je pense que, effectivement, avec quelques pages très bien choisies, approfondies et bien démontées, on a certainement peut-être de meilleurs résultats que lire tout un livre de façon superficielle, les surveys de lecture comme font souvent les anglo-saxons, et après avec une discussion un petit peu sur les effets produits, mais de façon beaucoup trop globale et qui ne va pas fouiller véritablement les mécanismes du texte. Mieux vaut 3-4 pages entièrement démontées qu'un livre intégralement lu, mais l'apprenant est passé à côté, quoi. Je dirais que ça dépend beaucoup des objectifs, n'est-ce pas, qu'on se pose. Parce que là, même par rapport à ces extraits que vous avez choisis, je vois quand même beaucoup de possibilités d'exploitation. Les objectifs que vous, Marie-Françoise, vous avez soulignés de, je ne sais pas, de motivation, de libération, de, je ne sais pas, de catharsis par rapport à son propre apprentissage, pourquoi pas, ça me paraît très intéressant. Mais il y a également, enfin, un peu objectif, enfin, selon les niveaux, n'est-ce pas? Par exemple, je ne sais pas, le livre de Java, je n'ai pas lu, mais déjà le titre, Comment être français? Comment peut-on être français? Je crois que ça fait quand même écho au débat sur la nationalité française et que c'est également une voie dans la discussion, dans le débat qui agite à un moment donné la société française. On peut très bien, je pense, penser à un objectif de développement de compétences métacognitives,
de l'apprenant, comment il peut parler de son apprentissage, comment il, à quoi il peut faire attention. Donc, je crois que ça, que on peut imaginer beaucoup d'objectifs finalement, et que ça, ce sont des objectifs qui vont peut-être également être à l'origine du choix s'il faut lire le livre entier ou si on peut lire des extraits ou quels extraits, etc. Je crois que c'est ça. Cette question des objectifs, ça me paraît quand même important. Surtout que Javan, c'est quand même plutôt la vieille génération avant Internet. Je pense qu'on retrouve tous un peu le même type d'éducation, n'est-ce pas? On a tous lu les mêmes auteurs qu'elle, en fait, les classiques français quand on était jeune. Oui. Parce que c'était justement, je pense, on fait tous partie de cette génération. Donc, il faut attendre maintenant les récits d'apprentissage de ceux qui commencent à apprendre le français maintenant, des jeunes d'aujourd'hui qui ne lisent pas tellement. Oui. Et qui sont plutôt dans les médias, dans les réseaux sociaux, pour voir en fait comment eux, ils apprennent la langue. Et en plus, son personnage, enfin, c'est vraiment pas moderne, hein, sa façon d'apprendre le français, puisqu'elle va l'apprendre avec le Lagarde et Michard. Et maintenant, le Lagarde et Michard, il n'y a pas plus ringard. Enfin, je veux dire, on a complètement abandonné ces manuels-là. Donc, je pense que si aussi, elle le sait déjà, n'est-ce pas? Elle sait déjà que c'est ringard, en fait, je crois. Elle le dit aussi. Elle a acheté chez un antiquaire, mais... Oui, c'est ça, chez un brocanteur, elle a dit... Oui, et puis elle dit qu'elle sait que c'est... Voilà, elle sait que c'est quand même dépassé comme méthode. Oui, mais elle n'en a pas d'autre. Et puis, ça lui permet quand même de découvrir les grands noms, n'est-ce pas? Oui, c'est de ça. De littérature. C'est ça, ouais. Et ça lui donne cette excitation, malgré tout, qui peut être une illusion, enfin, d'entrer dans la grande culture française et de mettre tous ces noms d'écrits. Apparemment, c'est important pour elle de pouvoir jongler avec tous les noms d'écrivains. Elle en retire un plaisir de prononcer tout son nom. Elle fait des grandes énumérations qui pourraient paraître un peu fastidieuses, des noms d'écrivains, mais simplement de dire ces noms-là, elle se les approprie. Elle a l'impression, effectivement, que c'est sa famille, sa nouvelle famille française. Et je crois que c'est rassurant, ça la rassure. Oui, oui, je crois que cette quête identitaire, cette quête de reconnaissance, elle se fait aussi beaucoup par cette référence à l'héritage français. Mm-hmm. Oui. Et ça, on retrouve ça chez de nombreux écrivains d'origine allophone. Et peut-être nous, les Français, on n'a pas mesuré effectivement cette aura qu'avait la littérature française à l'étranger, et que c'était une sorte de fierté pour l'apprenant allophone de pouvoir se familiariser avec tout ce patrimoine culturel-là. Et donc, cette fierté-là les nourrit aussi. Enfin, il y a du plaisir intellectuel, il y a de la fierté, il y a de la catharsis, il y a tout ça. Il y a également, je pense, une certaine vision de ce qui est important, ce qui est considéré comme important pour la culture française. Et c'est quelque chose qui revient très souvent dans ces livres où on considère que c'est la littérature, en fait, française. Parfois, ça me paraît même exagéré. Enfin, moi, de mon point de vue, ça me paraît un peu même exagéré de donner une telle place, mais peut-être parce qu'elles sont littéraires. Mais en tout cas, c'est assez intéressant pour moi de remarquer que cette admiration pour la littérature française et pour la liberté que cette littérature donne, c'est un sujet, un motif récurrent, qui revient très, très souvent. Oui, et on la retrouve en particulier chez le japonais Mizubayashi. Au départ, c'était pourquoi ce jeune japonais a voulu absolument apprendre le français alors que rien dans sa famille, rien dans son pays pouvait l'inciter à ça. C'était simplement la lecture, dit-il hein, lui-même, des auteurs du 18e, Diderot, Rousseau, qui représentaient pour lui un idéal de liberté. Donc, il a voulu apprendre le français pour ensuite lire ces auteurs dans le texte, ce qu'il a fait. Remarquablement. Et lui, il a appris vraiment par les textes littéraires, ce qui nous a plu aussi beaucoup dans son itinéraire, pour dire que oui, bah, la littérature,
c'est ce qu'il raconte. Mais ce qui m'intéresse souvent, c'est cette part de mise en scène. Et je me demande pourquoi il raconte ça. C'est beaucoup plus ça qui m'interpelle. Mais bon, c'est assez intime, mais il n'empêche que c'est très intéressant. Ouais. Il y a sûrement cette fierté-là de faire partie du club. Oui. Ce qui montre, entre parenthèses, implicitement la forme d'élitisme qui est émise par la culture française, hein, puisque quand on y entre, on se sent reconnu et du coup on a une sorte de valorisation intérieure. Et on réclame, j'ai l'impression qu'on réclame de cette façon justement cette reconnaissance. C'est aussi un passe-temps tout simplement, non? Des choses que je fais normalement dans ma vie, maintenant je les fais en français, donc je lis en français tout simplement. Peut-être je ne sais pas si c'est toujours une sorte de snobisme. Non, je ne dis pas que c'est toujours ça, mais c'est quand même c'est assez intéressant, ça revient. J'ai un peu regardé les interviews que vous avez données de Chansa. Mm-hmm. Oui, ah oui. Et en fait, il y a cette interview avec Bernard Pivot. Oui. Mais j'en ai regardé bien d'autres. Et c'est assez marrant parce qu'il y en a dans, je ne sais plus comment s'appelle cette émission, mais en tout cas, c'est une émission de... La grande... Enfin, plutôt... C'est la grande librairie? Non, justement, ce n'est pas une émission littéraire, c'est plutôt une émission comme ça de distraction, en fait. Et là, finalement, on lui pose des questions tout à fait différentes. Et des questions finalement qui la mettent mal à l'aise quelque part parce qu'on lui dit qu'elle est une grande manipulatrice, etc., etc. Et finalement, et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant, qu'il y a différents genres d'interviews et dans différents types d'émissions et on découvre une toute autre personne quand on la voit dans ces différentes émissions. Et c'est assez, bien sûr, on peut se poser la question où elle est la plus vraie, peut-être nulle part, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de regarder ces différentes interviews et de comparer la manière dont elle est interrogée, sur quoi elle est interrogée et comment elle répond. Et ça, je crois que quand elle est chez Pivot, il y a vraiment, oui, cet amour pour la littérature française. Tout est tellement idéalisé. Oui. Et c'est tout à fait différent. Ça change beaucoup dans les autres interviews. J'ai trouvé ça très intéressant, justement. Et ça c'est pour cela que je parle de cette mise en scène aussi, enfin, qui est propre au littéraire, bien sûr, parce qu'elle crée un monde... un univers pour dire quelque chose, Enfin, c'est pas, ce monde-là n'est pas le but en soi, n'est-ce pas? Il est là pour nous raconter autre chose, en fait. Et oui. C'est ça qui me paraît passionnant. Enfin, mais je pense que cette mise en scène, elle existe dans tous les arts, de toute façon, qui sait. Bien sûr. Peinture ou d'autres. Bien sûr. Oui. Et comme vous avez dit, il faut avoir les codes pour un. Oui. On a eu, je te rappelle, Marie-Françoise, un étudiant syrien il y a quelques années, qui était professeur de français en Syrie. Donc lui, il parlait très bien le français, il avait appris la littérature aussi. Et sa femme, qui savait lire la littérature française en français, et donc la littérature, la grande littérature, hein, celle du 18e et du 19e siècle, mais qui ne savait pas parler français. Et ça, pour nous, c'était assez impressionnant quand même, parce que son objectif, c'était de connaître les œuvres littéraires et de savoir les... Donc elle avait l'air de les comprendre, non seulement elle les lisait, mais elle avait l'air de les comprendre, mais elle parlait français. C'est bizarre quand même. Hein. Donc, c'est quand même ancré aussi. C'est une réalité quand même chez les apprenants. C'est peut-être un mythe, hein, de la littérature française, mais c'est quand même ancré. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas un mythe d'il y a 20 ans. Quoi. C'est encore d'actualité pour les apprenants. Alors, peut-être pas les apprenants de partout, mais enfin quand même. Ouais.
Et puis on voit bien là que effectivement la langue, ça forme certainement un tout, mais qu'il y a quand même des compétences bien, bien définies et, ouais, et compartimentées, enfin, qui peuvent l'être en tout cas. On a explosé l'horaire là. Donc. Voilà. J'ai programmé jusqu'à 10 heures, mais. Tu as prévu la continuation. Oui. Mais je pense que même si on dépasse, ça ne doit pas couper. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas expérimenter ça. Bon, bah, merci voilà. Les Marie-Françoise pour vos présentations très agréables. J'espère que ce n'était pas trop difficile pour les apprenants, mais on donnera peut-être des documents s'ils le souhaitent. Vous nous direz, les collègues de Slovaquie et de Pologne, si vos étudiants veulent des écrits. Les Marie-Françoise ont des écrits et les diaporamas, on les diffusera sur le site des Clamfleu. La vidéo, on trouvera où la mettre également. Donc, voilà, il y avait certainement des choses un peu plus difficiles que d'autres, c'est sûr, mais dans l'ensemble, on aura tous appris un petit quelque chose grâce à vos présentations, et quelque chose de ces femmes, puisque l'objectif, c'était bien d'avoir des portraits de femmes. Tout à fait. Et donc là, on a trois portraits différents, d'apprenantes différentes, hein, de différentes nationalités d'origine. Donc, merci de ces présentations. Merci. Si en plus on pouvait communiquer finalement à nos étudiants votre passion de la littérature, ce serait merveilleux. Alors. Ben, j'espère qu'elles ont réussi ça. Voilà. Il faut espérer. Il faut espérer. Ben oui, il faut espérer parce que c'est ça l'enthousiasme qu'elles montrent à décortiquer ces œuvres. C'est ça qu'on voudrait bien voir promouvoir aussi dans des Clamfleu. Alors, peut-être pas sur toutes les œuvres, mais chacun pourra tirer parti de quelques éléments pour travailler sur d'autres œuvres. Justement, c'était ça l'objectif, vraiment. C'est l'objectif, oui. Merci vraiment pour tout le temps et votre énergie que vous avez consacrée à la préparation de cette conférence, surtout tout d'abord la lecture des œuvres tout entières et ensuite voilà, la préparation de la présentation à trois auteurs. À l'origine, c'était que Charles de Djevan, ensuite encore trois. Et puis, vous avez eu une conférence à INALCO il y a une semaine, c'est-à-dire que voilà, c'est un enchaînement. Vraiment, un enchaînement très, très dense. Donc, merci beaucoup vraiment pour votre motivation, pour votre enthousiasme et pour tout ce que vous pensez à la préparation de cette présentation très, très belle et très enrichissante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et puis bon, bah alors, aux étudiants, là, c'est toi, François, qui les accueillera demain matin. Donc demain matin, à 9h. À 9h, voilà. Le lien est sur le programme pour demain matin. Merci. Je ne voudrais pas couper, sinon c'est pas grave, on sait comment se reconnecter maintenant les uns et les autres. Moi, je ne pourrais pas être là demain matin, en tout cas pas à 9h. J'ai déjà une autre réunion à 9h, mais je me connecterai un petit peu plus tard. Oui. J'enregistre. Donc, voilà, bonne soirée maintenant. Alors, il est temps de dire bonne soirée, bon appétit chez vous également. Vous voyez, il fait nuit même à Rennes maintenant. Quand même, c'est arrivé aussi. Donc, bonne soirée. Merci les Marie-Françoise, merci les collègues, merci les étudiants qui sont encore présents. Et puis, à demain pour l'atelier avec François demain. À demain. Merci. À demain. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Alexandra.